Alors bonjour à tous, bienvenue sur DailyFX.fr, bienvenue au Good Morning Eurodollar, Vincent Gann pour vous retrouver, il est 9h15 et nous sommes le jeudi 21 avril, donc jour de Banque Centrale Européenne. Alors typiquement hein, en ce qui concerne l'euro-dollar, vous connaissez mon point de vue, on day trade, on swing trade en amont de la Banque Centrale, donc aujourd'hui j'ai pas de stratégie sur l'euro-dollar, j'en avais en début de semaine. Toute petite stratégie, j'en ai plus. Par contre, bon, on va pas se cacher, hein, y a des paires de devises qui sont décorrélées, heureusement, donc on va pouvoir en parler. Aujourd'hui, c'est l'euro qui sera impacté. Alors pas seulement, je me suis permis de vous poster dans la section commentaires auquel vous avez accès l'agenda du jour, qui est en fait très riche sur les paires majeures. Il n'y a pas seulement que la Banque Centrale Européenne, je vais vous en dire un mot rapidement sur ce qu'on attend aujourd'hui, à savoir pas grand-chose. Simplement la confirmation des mesures monétaires telles qu'elles sont connues depuis le jeudi 10 mars. Et par contre, une conférence de presse de Mario Draghi qui là pour le coup fait quand même craindre un peu de volatilité, surtout lorsqu'on se souvient du jeudi 10 mars, l'énorme volatilité sur l'euro-dollar le 10 mars et sur les marchés actions, notamment entre 14h30 et 14h40 quand Mario Draghi avait dit pas de taux négatif. Bon bref, ça avait fait peur aux actions et l'euro s'était envolé. Alors, sur l'agenda du jour, 10h30, les ventes au détail au Royaume-Uni, ça c'est pour le GBP. 13h45, la décision de la BCE sur ses taux. 14h30, la conférence de presse de Mario Draghi, ainsi que l'indice d'activité de la Fed de Chicago, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage, le Philly Fed. À 15h, l'indice FHFA du prix des logements aux États-Unis en février. À 16h, la confiance des consommateurs au sein de la zone euro. Bref, il y a un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques à côté de la Banque Centrale Européenne qui peuvent, par exemple, notamment les demandes d'allocation hebdomadaires, avoir un impact sur le dollar US. Voilà, on les taille. Puis sinon, bon, deux gros catalyseurs hein, pour les marchés, au-delà des banques centrales. Bon, bah, le pétrole, vous l'avez constaté hier. Cassure de résistance technique sur le pétrole. J'envisage des nouvelles cibles haussières, mais ça, je vous en parlerai dans le Commodities Market Report. Et il y a un lien direct avec le dollar canadien. Je pense qu'on peut être plus ambitieux encore sur les objectifs de renforcement du dollar canadien et donc de baisse des paires en CAD. Ça, j'en parlerai dans le Commodities. Alors, le Good Morning Euro Dollar, on parle de l'euro dollar forcément et des paires majeures. Donc, on va se concentrer sur ces actifs-là. Et puis ensuite, les matières premières, promis, je les couvre à 10h30. Alors, l'eurodoll. Donc on y est, jour J. Pour quelle raison? Vous avez ici les chandeliers journaliers. Je vais vous situer sur ce graphique les deux dernières réunions de la Banque Centrale Européenne, donc réunion du comité de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, le 3 décembre, voilà, jeudi 3 décembre 2015, avec ce grand corps, petite mèche basse, petite vol basse. En fait, on avait baissé juste avant. On avait baissé juste avant sur 1,0520 et puis bon, on avait explosé à la hausse. Ensuite, vous avez la réunion. Alors, il y en a eu une autre. Je connais plus la date exacte. Il y en a eu une autre. Mais la plus significative, c'est le 10 mars. Le fameux 10 mars. En données journalières, une ombre basse importante. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, le marché avait perdu 150 pips avant de remonter fortement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on doit s'attendre à un chandelier comme le 3 décembre ou le 10 mars? Pas forcément. Pourquoi? Le 3 décembre dernier, il y avait des attentes hyper fortes vis-à-vis de la BCE. Le marché attendait le QE2 le 3 décembre. Il ne l'a pas eu, il a acheté l'eurodoll. Le 10 mars, c'est pléthore d'annonces monétaires. Le TLTRO phase 4, le QE2, le taux de dépôt encore davantage négatif, le refinancement qui tombe à zéro. Et un Mario Draghi en conférence de presse incisif et optimiste sur les perspectives de croissance au sein de la zone euro. Et au final, on a fait 400 points de hausse. Aujourd'hui, les attentes ne sont pas si fortes. Concrètement, je fais le tour un peu d'horizon hein, des consensus, le marché n'attend pas grand-chose. Donc, on ne sera pas dans la surréaction, pas de déception, puisqu'on n'attend rien. Donc, en l'état, il n'y aura probablement pas une volatilité de 400 points. Peut-être quelque chose de plus standard, 100, 150 points pour la BCE aujourd'hui. Et c'est surtout la conférence de presse de Mario Draghi, les mots qu'il va choisir d'utiliser. Je vois déjà la question, alors est-ce que vous confirmez que la Banque Centrale Européenne n'adoptera pas un taux de refinancement négatif? Bref, c'est à partir de là qu'il y aura de la vol. Techniquement parlant, l'eurodoll, yeux dans les yeux, face à face,
Support majeur 1,1260. Résistance extrême 1,1450. Alors je suis réaliste, 1,1450 a beaucoup plus de poids technique que 1,1260. Soyons clairs. 1,1450, c'est la résistance depuis un an et demi, c'est The Big One. Elle est vendue systématiquement depuis un an. Clairement, un Eurodoll qui dépasse un 14,50, c'est pas pour aller à un 14,80, ça file à un 17, et il faut des raisons pour ça. Donc, c'est la résistance extrême. En l'état, pour envisager que le marché avance, bah, faut la casser significativement avec du volume, quoi. Et en face de ça, 1,1260, support hebdomadaire, donc c'est en termes d'importance, c'est pas aussi fort qu'un 1,1450. Le marché, depuis la semaine dernière, il est dedans. Il est dans ce range. En fait, il est même dans ce range depuis le 30 mars, donc depuis 3 semaines. Et il y avait eu une cassure technique le 13 avril, qui en fait a tout de suite été freinée et stoppée par les 1,1260. Alors est-ce qu'aujourd'hui le taux euro-dollar peut quitter le range 1,1260-1,1450? Bon, bah, une journée de banque centrale, c'est toujours possible de l'envisager. C'est possible, mais j'ai pas la réponse. Moi, je ne vais pas trader l'euro-dollar aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, c'est ça qui compte. Ce sont ces deux repères techniques et bien sûr la clôture du jour. Toujours sur les majeurs, le GBP/USD travaille 1,44. C'est 1,44 le seuil d'accélération. Je vais positionner. C'est à peine vendu. Il se passe quelque chose sur le GBP/USD. L'euro GBP a cassé un support. C'est terminé, vous savez, hein, pour ma stratégie moyen terme de l'euro GBP. On tape 1,44. Je vous ai montré hier les données du Speculative Sentiment Index. Il y a eu une forte augmentation des positions short du GBP. Depuis 4 séances, on n'est pas sorti du range, hein, 1,44, on n'est pas sorti du range, mais c'est résilient. Là, ça remonte et je pense qu'à un moment ou un autre, tôt ou tard, le marché pourrait en sortir. Pour l'instant, les moyennes sont à plat, on est toujours dans le range, mais j'ai ce sentiment technique par rapport donc à quelques indicateurs que j'utilise, que le marché pourrait dépasser 1,44 et aller chercher 1,45 et 1,46, 68 dollars. Pour l'instant, c'est pas fait, donc on est vraiment dans le range et ça fait partie des clôtures D1 que je surveille. En l'état, sur Eurodoll et GBP/USD, c'est vraiment les D1 qui sont à suivre. Aujourd'hui, il y a quand même des chiffres qui peuvent influencer l'USD, puis surtout à 10h30, les ventes au détail au Royaume-Uni. Donc là, il y aura un impact sur le GBP. Le NZD/USD, faut-il l'acheter? A-t-il fini son retracement? Écoutez, moi je vais aller au bout des choses. Je vous ai expliqué hier sur le NZD/USD que je voulais 0,6950 pour une entrée avec un stop large parce que ça retrace trop souvent le NZD/USD. Regardez en données journalières, impulsion on retrace 60%, impulsion on retrace 60%, impulsion on retrace 60%, impulsion. Et là on a retracé la moitié, on a retracé 50%. Donc ça fait des retracements, c'est un taux de change à retracement. Hier, je vous ai expliqué que je m'intéressais au 0,6950 avec une gestion du risque de 100 points. Si ça vous paraît énorme, il faut simplement limiter le volume. C'est-à-dire pas d'effet de levier. Mais ça retrace tellement qu'il n'y a pas le choix sur le NZD/USD. L'idée, c'est quoi? 69,50. La zone de prix, alors ça peut être 69,20, 69,30 lorsqu'on regarde en données journalières. Pour un retracement un peu plus profond, j'ai pas la réponse. Sinon, attendez une cassure de résistance. Et puis, si vous en doutez, n'y allez carrément pas. Mais si vous appliquez sur la dernière jambe de hausse les retracements, le 50 c'est 69,50, le 61,8% de retracement c'est 69,25. Donc, c'est ça la zone de prix de retracement si on respecte les séquences techniques des dernières semaines. Alors, ce serait le tout premier niveau, 69,50, puis jusqu'à 69,25. Pour gérer son risque, cette ligne de tendance, c'est en fait un bas de canal. Donc c'est sous 68,75. Donc ça, c'est assez important, nombre de pips. Mais derrière, c'est pour viser du 0,71, 70. Donc on s'y retrouve aussi. Faut limiter le volume, il n'y a pas le choix. Donc, entre du 69,25 ou du 69,50, j'ai pas la réponse. Il y a quelque chose qui commence à s'amorcer sur le RSI D1, mais c'est pas encore très significatif à suivre. Donc, surveillez MM 20h, elle capte bien les cours. Peut-être que son dépassement donnerait le signal. Pour l'instant, c'est vrai qu'on reste en dessous et on est toujours. Alors, quand on retrace, parfois l'analyse chartiste apporte de l'aide parce qu'elle donne une forme au retracement. Là, vous avez un canal, petit canal de retracement. Attendre qu'on en sorte et le retracement sera fini.
Alors, le dollar canadien continue de se renforcer, hein, effondrement des paires en CAD. Bon, l'USD CAD continue de baisser, il n'y a jamais rien eu de dossier, hein, sur l'USD CAD. Pas de div, rien. Je me remets en données hebdomadaires sur l'USD CAD. Le prix chute avec le momentum, aucune div, et avant que ça diverge. Si le pétrole va à 50 dollars, l'USD CAD va à 1,20. Clairement, on ira à 1,20 si le pétrole va à 50 dollars. De même que l'euro CAD ira chercher ses 1,40, voire en dessous. Alors pour l'instant, ça reste baissier. Lorsque je me positionne en données 4 heures, en données journalières sur l'USD, attention, je suis pas en train de dire que je vise un 20 maintenant. J'ai toujours visé une cible. Rappelez-vous, lorsque le marché a cassé les 1,2960, je vous ai proposé une cible. Et je vais m'en tenir à là. C'est 1,2562. Ce support horizontal. 1,2562. Et ensuite, j'arrête. J'arrête sur l'USD CAD. Et on a fait 1,2592. Donc, la MM20 qui couvre bien les cours est un peu éloignée. La première résistance est là. Il n'y a pas de div. 1,2749. Si le pétrole fait un pullback sur 42 dollars, ça peut faire éventuellement un petit retracement vers du 27. Mais je continue de penser qu'on ira chercher les 1,2562. Et là, par contre, je vais commencer à. Enfin, j'ai pas de raison finalement de vouloir arrêter. Mais bon, j'attendrai la cassure des 2,562 pour ensuite viser davantage. Si vous prenez le RSI D1 de l'USD CAD, c'est le range 30-50. Bon, bah, c'est le schéma momentum d'une tendance baissière. Hein. Tout comme le contraire quand ça évolue entre 50 et 70. Regardez l'euro CAD. Je vais vous mettre en données journalières. Bon, bah, c'était superbe hein, après ce doji libellule du 18 avril pour les amateurs de bougies japonaises. Ça, c'était le chandelier vendeur du 18 avril, de lundi donc. Par contre, attention, on a fait une première cible, c'est un niveau important, 1,4225, 1,4250. Peut-on viser 1,40 sur l'euro CAD? Je le pense. Dans l'immédiat, pas forcément. Mais je vous rendez-vous tout à l'heure dans le Commodities Market Report où je vais vous proposer une analyse technique du prix du pétrole. Il y a du potentiel. Ça peut retracer d'abord et c'est probablement pour ça que des paires en 4 peuvent remonter vers des toute première résistance, pas très éloignée du niveau actuel des cours. Ça peut un peu retracer, mais je pense que les résistances de Rocade sont à vendre. Les résistances de l'USD4 sont à vendre. Alors, le CAD/JPY, c'est encore un cas, il attaque 87. Ça, mais on va se méfier. Pas de stratégie sur les paires en yens avant la BOJ, de toute façon. Mais en l'état, le Rocade peut un peu temporiser sur du 42,50, 42,25. Mais derrière, je pense que ça cédera et que le marché ira chercher. Je vais vous donner une cible qui serait davantage. Allez, une cible pour d'ici fin avril. Ça peut être beaucoup plus rapide, hein, ça vous a tellement dit. 1,40,24. Le plus bas du 3 décembre. Mais retour à la case départ en fait, hein, retracement intégral de l'Eurocad. Il y a eu toute la hausse depuis le 3 décembre qui avait été déclenchée par la BCE. Voilà l'Eurocad à la case départ. Et la seule explication, c'est le CAD hein, qui se renforce avec les nouveaux signaux techniques d'achat sur l'US Oil. Maintenant, si je vais en intraday sur l'Eurocad, bon, ça a été hier le signal de vente épaule tête épaule de continuation cassure des 1,44. Maintenant, on fait un tout petit range. Je vais me mettre en données horaires. Alors, en données horaires, est-ce qu'on prépare un double bottom pour retracer ou est-ce qu'on fait simplement un rectangle? Je sais pas. Pas la réponse. Est-ce qu'on peut remonter à 1,44? J'en doute. Sauf. Alors, je ne vais pas vous dire ça parce qu'aujourd'hui, c'est à la BCE. Il y aura un impact énorme sur l'euro. Le problème de Mario Draghi, c'est qu'il peut créer une vol de 200 pips sur l'euro, EUR. Et dans Eurocad, c'est la devise principale. C'est ça le gros problème aujourd'hui avec toutes les paires en euros. Il y a une incertitude sur la volatilité réalisée du fait des mots que prononcera en conférence de presse Mario Draghi. Et forcément, hein, ça aura un impact. Même si le pétrole continue de monter, que le CAD se renforce, si Mario Draghi fait monter l'euro de 200 points, même l'euro CAD retracera. Donc ça, c'est juste aujourd'hui sur la dimension euro qu'il faut être prudent. Après, clairement, c'est baissier. Le taux de change AUD/USD, toujours haussier, étonnant de résilience. Attention, sur 0,80 passe, je vais vous montrer. En données mensuelles. Regardez ça,
superbe ligne de tendance baissière mensuelle à 0,80. Vous l'avez là, vous êtes en bougie mensuelle, 1 point, 2 points, on zoome, on va la chercher, 0,80. Voilà, donc la stratégie d'achat de l'AUDUSD depuis la cassure des 0,73 sera interrompue lorsque le marché aura déjà fait les objectifs théoriques du double bottom, dont la cible finale est 79,40. Et puis ensuite, cette grosse ligne de tendance baissière sur les graphiques monthly. Donc, il y a probablement une centaine de points encore à la marge à attraper. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une rotation vers le NZD-USD. Donc, voilà, c'est peut-être lui qui a un peu de retard à rattraper. C'est parti, les questions. Alors, AUDNZD toujours au-dessus des indices, c'est plutôt haussier. Salut Sébastien. Ça roule. Toi qui aimes les cassures de momentum, celle-là te plaît-elle? Alors je vais regarder tout de suite. C'est le GBP/USD. Oui, ben oui, je suis un peu comme toi. Je sais qu'il y a des nouvelles choses sur le GBP/USD. Puis l'explosion des positions short sort par le haut de ce canal sur le RSI. On tape le haut du triangle. Il faudrait franchir un 44 vraiment pour confirmer. Et là derrière, on ira chercher un 46. Ouais, non, il y a quelque chose qui se passe, c'est clair. C'est clair et net. Je poste quelques messages marrants. Alors l'euro dollar a-t-il fait 1,1285? Alors moi je prends le plus bas, là j'ai 1,1290 et 1,1286. Ouais c'est ça, il a fait 1,1286 sur le bid là. Voilà. Non, je surveille. Alors, typiquement, un jour de BCE, si vous craignez la volatilité propre à l'EUR, et vous voulez trader, intéressez-vous au taux décorrélé. Stratégie décorrélée, bon, bah, du NZDUSD, ou même de l'AUDUSD, ou parmi les majeurs, hein, c'est décorrélé de l'euro. Il y aura forcément un impact, mais ça n'aura strictement rien à voir. Vous cherchez un véhicule aujourd'hui pour profiter éventuellement de la poursuite de la hausse du pétrole, mieux vaut éviter l'eurocad par rapport à l'incertitude liée à l'EUR. Donc aller sur du GBPK, ou de l'USDK, ou du CAD yen. Alors je vais vous montrer le CAD yen. Juste pour aujourd'hui, hein, le temps que passe la conférence de presse de Mario Draghi. Le CAD yen. Alors ce CAD yen, c'est intéressant, il est remonté fortement. Il rattaque 87. C'est une grosse résistance. Le problème du CAD yen, c'est que c'est du yen. Alors, forcément, il y a des spéculations pour que la BOJ agisse et fasse remonter toutes les paires en yen. Et comme le pétrole remonte, c'est vrai que c'est le CAD yen qui pourrait exploser à la hausse. Mais le problème, c'est que je m'en tiens à cette approche qui est plus de stratégie sur le yen d'ici le 28 avril. Donc, je vais m'attacher les mains et je ne vais pas vous proposer de stratégie sur le CAD yen, même si, simplement, en cas de cassure haussière des 87, ça serait un signal d'achat. C'est tout ce que je vais vous dire. Allez, le NZDUSD en H1, surveillez la MM20h, si on la redépasse, c'est possible que le pullback soit terminé sur le Kiwi dollar. Et UDUSD, je sais pas, c'est vrai qu'il ne retrace pas, je sais pas trop ce qu'il fait, il est très résilient, il est tout en haut. Pour l'instant, il n'a pas envie de retracer. Alors, il y aura de l'impact sur l'euro, forcément. Quant à la livre sterling, oui, elle est toujours. Elle est liée aussi à la monnaie unique européenne. Non, pour la livre sterling, c'est davantage les ventes au détail ce matin à 10h30. Et le DXY, alors le DXY, ça c'est le dollar US. Je vais vous le remontrer. Hein. Moi, je le regarde parce qu'on est toujours sur un gros niveau. Donc, ça, c'est un scénario agressif d'un triangle dont on serait sorti par le bas. Mais après, il y a toujours aussi support à 94 qui tient. Donc. Le dollar est globalement stable cette semaine. Hein. Et il remonte un peu depuis hier, parce qu'il y a eu des bons chiffres immobiliers. N'oubliez pas la Fed la semaine prochaine. La Fed la semaine prochaine, le 27, si les éléments livrés par la Fed sont encore une fois à une modération du cycle haussier des taux, ça fera baisser le dollar. Bon, on verra bien. Pour l'instant, c'est vrai qu'on stabilise depuis deux semaines sur le dollar US. On stabilise sur le support à 94 points. Mais on ne rebondit pas fermement non plus.
Non, alors ça, enfin, est-ce que la BCE impacte le GBP? Pas dans son positionnement propre. Bien sûr que ça reste une devise européenne. Donc mécaniquement, d'abord le franc, d'abord le CHF réagira à la BCE. Une banque centrale continentale, l'euro CHF, hyper important pour l'économie suisse. Pour l'économie britannique, l'euro GBP, bien sûr, très important, mais pas seulement. Donc moins que le CHF, mais ça reste une devise européenne, donc oui, il y a un minimum de corrélation. Mais le GBP USD, c'est pas une paire en euros. L'euro GBP, oui, mais c'est l'euro qui sera influencé. Bon, après, mon cher Sébastien, j'ai pas les statistiques précises. Ça se backteste, ça. Hein. On peut prendre historiquement toutes les réunions de la BCE et voir l'impact en termes de vol sur toutes les devises. Et derrière, on peut sortir des moyennes. Hein. J'ai pas les chiffres. Voilà, bah écoutez, c'est sur ce graphique du NZD-USD que je vous laisse. Avec cette interrogation depuis ce matin, faut-il payer 69,50 ou attendre que ça retrace vers 69,20 ou carrément ne pas acheter tant qu'on est dans le canal baissier en H1? Il y a plusieurs possibilités. Le choix vous appartient tant que vous gérez votre risque. Voilà. Allez, je vous retrouve à 10h30 pour le Commodities Market Report. Je vais parler de l'or, du cuivre, du gaz, de tout un tas et surtout du pétrole. Parce que le pétrole a donné hier un signal d'achat technique fort. Et je pense qu'on peut viser 50 $ d'ici l'été. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, à tout à l'heure.